What's up gens Internet j'espère que vous allez tous magnifiquement bien se retrouver avec mon bro Help Pedrix, what's up nigga Aujourd'hui, ça va bien, moi? Merci, mon boy, merci. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve sur iFactions. Je suis plutôt content, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, parce que, bon, malgré qu'on a travaillé quand même toute la journée, je dirais une grosse partie de la journée avec LP euh, sur iFactions pour que tout soit presque terminé, qu'il ne reste plus euh, que certains petits détails à faire. Donc, les amis, parlons d'iFactions. Donc, beaucoup de changements, beaucoup de, choses, euh, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de nouveautés. Depuis la dernière vidéo On a aussi choisi les noms des KTH Avec l'idée des gens dans les commentaires Et on a aussi rajouté les holographiques Les trucs comme ça, vous allez pouvoir tout voir ça Donc je vais enlever mes shaders pour commencer On va mettre un time set 0 Je vais enlever mes shaders quand même Pour que vous puissiez bien tout voir les holographiques etc Donc vous allez spawner ici les amis On va commencer dans l'ordre de vous présenter le spawn Puis ensuite on va vous expliquer Chaque fois qu'on va arriver vers un stade Un stade de la vidéo Où qu'il faut vous parler de quelque chose On va vous parler de quest ce qu'on veut vous en parler Donc vous spawnez ici Vous allez avoir le logo faction en haut vous avez bien vu sur iFaction icon il y a actuellement deux joueurs connectés vous avez besoin de la slash information slash help euh, bonjour sur iFactions ensuite vous avez euh, des petites nouveautés des petits trucs il y aura des panneaux souvent autour du spawn pour vous dire les nouveautés qui arrivent bientôt donc là on est en train de travailler pour avoir un, un... oh oh je l'ai cassé euh, tu pourras remettre la table de craft avec le panneau en gros euh, vous allez avoir des euh... Des, des, des annonces, etc. Pour l'instant, on est en train de travailler pour avoir un, un proxy US-Canadien pour les Canadiens vu que la machine, si vous ne savez pas, c'est une machine qu'on a acheté euh, à Strasbourg, je pense qu'on dit comme ça, comme ça. Enfin, bon, voilà. Ensuite, la Lucky Box, elle est faite, les amis. Donc, tout ce que vous pouvez gagner, vous pouvez le voir en ce moment. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Je vais ouvrir seulement euh, deux clés et puis, euh, voilà. Euh, ensuite, voilà, je laisse quand même mes doigts passer dessus, là. Vous allez pouvoir voir ce que vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner un grade VIP 7 jours, euh, 7 jours, donc voilà. Euh Ensuite, euh, vous avez quoi? Bon, les deux zones chests ici, normal quoi. Vous descendez ici, les amis. Vous avez le portail du nether qui est pas encore prêt. On va faire un spawn dans le nether et tout, mais on n'a pas encore eu le temps. Gratia est beaucoup occupée à travailler sur le, la Warzone, etc. Avec euh, LP et moi. Parce que maintenant, moi et LP, on sait comment faire une Warzone, les gars. <laughs> ici, on a la forge. Donc, voilà, des enclumes quoi. Rien de très intéressant à vous présenter. On a un lac. Vous allez spawner avec un canapage. Donc, si vous avez pas de bouffe au début, euh, vous prenez euh, la bouffe dans le lac ici. Donc, vous pêchez quoi. Ensuite, ici, vous allez avoir les panneaux avec des informations. Les règles du serveur, des trucs comme ça, mais on sait pas encore c'est quoi les règles Ensuite, euh, on a passé un peu de, de choses là Ici, on a les trucs d'enchantement Donc, euh, table d'enchantement niveau 30, niveau 1 et euh, niveau 1 Ça c'est niveau 20 je pense, c'est niveau 1 Donc voilà Ensuite, on a ben, la prison dans l'arbre, ça vous l'aviez déjà vu Ensuite, on a l'end, donc on va aller dans l'end tout de suite On a l'end, vous sautez dans l'end, vous avez un genre de spawn de l'end Ici, vous êtes safe jusqu'à temps que vous arrivez en haut ici. Attention PVP. Ici, vous tombez, vous êtes en zone PVP. Donc, si tu viens LP, on pourra montrer, on peut se taper. Viens me taper au pire. Fais-je me taper. game mode, Moi, je pas game mode. Ah, ok. Bon, ben, j'ai désactivé le PVP. Lol MDR. On va faire région liste C'est quoi les régions qu'on a End protection. On va faire. Tchou Euh. Flag, région flag, euh, PVP à l'eau, je pense que c'est comme ça, même pas, c'est l'inverse. Tac tac, deux secondes, je fais juste ça vite fait à l'arrache, les gars, je veux vraiment juste vous montrer comme quoi, qu'il y aura du PVP dans l'end. Au pire, si ça marche pas après ça, je le ferai quand même. Donc voilà, euh, t'es où Je vais me taper Merci. maintenant. Turn, turn à la chef. Ça marche toujours okay. pas, bref. Ah euh, oui, ça marche oui, maintenant. Ça marche. Donc voilà on peut se taper. Euh, ensuite vous vous fermez dans l'end, vous faites ce que vous avez à faire, je vais mourir, c'est bon, RIP icons. Oh non, il faut que je back, je dois kite, easy kite, lol MDR. Un et là le... chef, le, le, a pas les spawners, mais on, les rejeter, on hein, va les rejeter. On va les rejeter, Vous pouvez regarder, euh, pas besoin de spawner d'underman vu qu'on est dans le, une vraie end on est dans le vrai de vrai end donc les underman ils, ils spawn aléatoirement tout seul Donc on n'aura pas besoin de spawner de end, on aura juste besoin des autres trucs. Aussi les gars, si vous êtes con et vous mangez vos, euh, le kick kicklee, vous allez pas être remboursé hein. Euh, vous prenez l'end portail regardez non, ce que ça vous peu. amène. Ben, oui, ça, ça marche, trop cave Ça vous amène ici, euh, dans, dans la nature Donc vous êtes à 500 blocs du spawn je crois à peu près un peu plus, un peu moins Je pense que c'est 400 blocs Et là ici vous avez un petite affaire avec les coordonnées du spawn pour aller au spawn Donc le spawn il est euh, dans je sais plus quelle direction Mais bon vous avez compris le, le principe les gens Donc voilà euh, On va faire un petit slash spawn euh, Il va y avoir un claim ici pour Ouais c'est déjà claim C'est déjà claim de toute façon Voilou, voilou. Euh, on va faire un petit slash JM, on va se mettre en fly. Donc ensuite, on a la zone de shop, la zone la plus importante du serveur donc... Euh, village des marchands, ici tu peux retrouver toutes les PNJ d'échange, tu peux aussi vendre tes items contre de l'argent. Ou encore utiliser le slash market, donc le slash market je vous l'ai déjà présenté, je vais pas vous le présenter 10 fois. On va juste clear les items, donc si tu peux acheter les deux items pour qu'ils soient vides, pour que quand on va faire le trick. Euh, ou encore, attention, euh, l'économie du serveur est créée ah. par les joueurs. Euh, pour acheter des spawners, kits ou grades, c'est iShop. Donc les prix du iShop ont changé les amis. Euh, voilà, comme ça, oulou oulou Ils ont changé un peu vite fait sur les prix euh, Les items aussi, on a rajouté des items La bedrock c'est juste un troll les amis, que vous pas Il n'y aura pas de bedrock, il n'y aura pas aussi les têtes de wither Donc, donc euh, l'obsidienne va être Pétable, vu que beaucoup d'entre vous ne voulaient pas le wither On a décidé de mettre l'obsidienne pétable Combien de coups déjà qu'on avait dit C'est 32, on va checker On sait pas encore là Vu qu'elle n'est pas achetable, on veut vraiment que le petit soit dur à péter C'est ça, vous devez nous donner des idées dans les commentaires C'est encore important Ensuite, euh, iShop, on, on, a, on a le truc de commande qui n'est pas encore prêt, On va attendre un peu que les serveurs ouvrent pour voir comment l'argent, le, le système d'économie, il se déroule. Si le système, on a tout ça est bien, qu'est-ce qu'on va arriver C'est qu'on va mettre les commandes directement à partir de la semaine. Il est déjà fait, les amis. Il est déjà fait le shop de commandes. Juste que moi, j'ai rajouté un message à, pour vous dans le chat pour que ça soit plus, euh, plus simple. Donc, les kits, le kit icon, le kit explorateur, les prix ont changé comme plus les est témoigné. Kit bill, kit enchantement, kit minerai, kit farm, kit alchimiste, kit pillage, kit pvp pot euh, Donc voilà Ensuite euh, les grades, les prix ont pas changé 45 000, 85 000, 90 000, 170 000, 200 000 et euh, 350 000 Donc euh, voilà euh, Ensuite c'est pas mal tout ce que j'avais à vous parler là dessus Donc oui les prix ont changé Donc maintenant c'est plus 1$ pour un stack C'est 4$ le stack Donc c'est un peu plus vite euh, À farmer Et euh parenthèse là-dessus, c'est que on n'aura pas vraiment de, de boutique euh, genre euh, acheter grade pickit. Notamment seule boutique entre parenthèses, ça va être pour acheter de la money game pour avancer un peu plus vite. Mais comme ça va être zéro. Ouais. Dans en gros, le la, la boutique, les gars, qu'est-ce qui essaie de vous expliquer, c'est que sur la boutique vous allez avoir des sacs d'argent. Donc ça va être ouais. un sac d'argent, ça va être peut-être genre peut-être 5 euros pour dix mille dollars. Je sais pas, là, on vous donne des exemples, on n'a pas encore calculé comment qu'on allait faire. Et puis le seul shop, ça va être celui ici dans le fond. Il n'y aura pas de grade à vie. Euh, ça va être des grade, il n'y aura pas plus que 15 jours des trucs comme ça fond. Enfin. Comme ça, y aura pas de P2Win, rien de de cheater, etc. Si vous voulez un grade, vous l'achetez à tous les 15 jours euh, via le truc. Ou peut-être qu'on va rajouter un grade un grade un mois là ici dans le milieu, je sais pas encore, mais. Ça, on a besoin de notre avis. Que, euh, on va peut-être rajouter un learn. grade 30 vie, ouais. Oh oui, et puis le iRoller, il faut en parler. Donc on va faire un grade aussi euh, qui va être lui sur la boutique en fait. Sauf que il va rien vous donner en jeu. Ça va être juste un grade pour euh, aider le serveur. Vous allez juste avoir un tag spécial. Et puis vous allez pouvoir écrire en couleur, mettre des liens, juste des permissions de chat dans le fond. Vous n'allez pas avoir davantage pour le plus de kits, etc. Vous allez avoir comme un MVP, qui est un vampire. Si vous aviez le vampire, vous êtes remboursé euh, du MVP. Bien sûr, ça vous prend une preuve que vous n'avez pas de fait de litige. Il une preuve que vous l'aviez avant. Donc si vous n'avez pas ces deux preuves-là, je suis désolé, Mais ben, je pourrais pas vous rembourser votre grade. Pour les autres grades, les autres... Kit, y a rien qui est remboursé les amis vu que ben voilà quoi, ça fait quand même pas mal de temps, j'ai eu pas mal de litiges, j'ai déjà expliqué qu'est-ce qui s'était passé avant donc je pense que vous avez, si vous avez pas compris qu'est-ce qui s'est passé avant, ben vous pouvez aller voir euh, mes autres vidéos que j'ai faites sur iFactions, tout toutes et Donc, euh, est-ce qu'on a parlé des noms du K.O.T.H qu'on avait choisi finalement, ou pas oh. Non donc on va aller ici, donc on a choisi le nom des K.O.T.H, donc Playa, hein, qui a été donné par un joueur, je me souviens plus ton nom, et Talardos Talardro euh, qui a été donné par un autre abonné aussi donc euh, Talardo ça veut, euh, talardro, ça veut dire j'ai de la misère on va s'y faire on va s'y faire les gars Player puis Talardo euh, c'est Talardo ça veut dire euh, forêt en fond en euh, en espagnol l'espagnol donc voilà et ensuite euh, vous avez là, vous êtes en train sûrement de vous poser des questions les tournois sont organisés par des hosts on a volé le système des pickups donc on va avoir des hosts au serveur. vous n'allez pas là, avoir la possibilité de les acheter les hosts ça c'est totalement jamais possible vous allez pouvoir il euh, y aura des joueurs qui vont être choisis des joueurs actifs, ils vont avoir les permissions de host en plus d'un grade VIP. Donc, euh, si vous êtes un joueur normal et vous êtes choisi comme host ou whatever, on décide nous-mêmes. Hein. Vous, vous le demandez pas. Si vous le demandez, vous êtes blacklist, les gars. Clairement, je vous le dis tout de suite. Euh, on va choisir des joueurs qu'on voit qui sont souvent connectés et qui pourront organiser des tournois qui auront lieu deux fois par jour. Il euh, y aura la, la commande slash event qui va tout vous expliquer c'est quoi le cas tournoi, va aussi vous expliquer euh, le KOTH, ça sert à quoi, le principe du KOTH, les loot que vous pouvez recevoir, etc. Et, et aussi et le, le, le random HV. chess et euh, le 1v1 qui va arriver bientôt. Le 1v1 pour pour l'instant, euh, on va pas vous en parler, ça sert à rien, on veut pas trop vous spoil, mais c'est quelque chose qui arrive bientôt sur le serveur. Ensuite, bon, vous avez les shops de potions, des trucs comme ça. Euh, vous avez aussi euh, ici le truc de staff. Donc, comme vous voyez ici, euh, recrutement il est off pour l'instant. Il va être euh, ouvert à l'ouverture du serveur. On euh, n'a jamais demandé pour être modo. Euh, que ce soit dans les commentaires sur le serveur ou sinon quoi que ce soit. Vous avez blacklist. Donc, nous on a une commande sur le serveur. Je peux vais pas vous la montrer parce qu'on sait pas s'il y a des fails dans la commande, etc. Ou si quelqu'un peut voir la, la, la liste. Mais en gros, on a une commande. Qui, puis nous, ça nous permet, on peut rajouter des joueurs dans la blacklist. Je vous donne un exemple blacklist add pseudo. Puis euh, ben, c'est une blacklist dans le fond. Fait on, peut, on peut se souvenir de tous les joueurs qui l'ont demandé. Toutes les Gens, euh, comme ça, comme ça, si on, on peut aller checker après si vous, si, quand vous allez passer le vrai recrutement Si vous l'avez demandé, que ce soit dans mes commentaires, etc, inquiétez-vous pas LPX, là, ils vont s'amuser à vous blaguer <laughs> C'est des gros gamins Donc, Mais voilà on que Oh non, c'est pas black ah, du service c Ouais, c'est ça, c'est juste, une, dans fond, le fond, une liste noire C'est juste une ouais, liste noire, je... les amis Pour vous se rappeler de votre pseudo, etc Donc là, la question qui arrive, les amis, c'est Est-ce euh, que vous voulez des AP ou non euh, vous... C'est une grosse question qu'on se demande en ce moment. Moi, PLP, on voudrait juste faire, dans le fond, une grande oiseau, pas d'AP. Puis s'il y a des AP, on va les détruire. Et puis voilà. Je pense que ça pourrait être intéressant. Après, ça donnez-nous votre avis. Présentation du spawn des holographiques du staff. Je vous l'ai montré. Ouverture le 20. À 17h. Euh... Ah, les amis. Oh, oh, oh. Fallait peut-être pas que je dise ça, les amis. Oh, qui sait, vous allez avoir un trailer qui va arriver dans les prochaines semaines. Euh, j'ai fait aussi des vidéos de présentation, normalement, ou des trailers que j'ai postés dernièrement, justement, pour pouvoir payer un trailer. Euh, non, je rigole. <laughs> c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était pour... pour des skins CSGO. Mais on va faire un trailer assez drôle, les amis. Vous allez voir, nous autres, notre but, c'est de faire un trailer dans l'humour, pas un trailer vraiment genre pro whatever. Nous autres, c'est vraiment juste faire un trailer humoristique. Et euh, on va concocter ça. Dans dans la semaine avec LP, donc voilà, l'ouverture aura lieu le 20 à 17h euh, français et 11h pour les Québécois, donc un peu avant midi, ça se peut qu'il y ait du retard dépendamment de la machine, euh, si tout est bien optimisé, si tout est correct, si on a tout fini, si c'est si pas tout fini, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter à, euh, au vendredi, donc euh, ça va être normalement rendu le... Euh, le 22 normalement à euh, 17h et 11h québécois. Si jamais il y a des problèmes, donc c'est soit le 20 ou s'il y a des problèmes, ça va être le vendredi qui suit. Pour qu'on se laisse deux jours pour réparer les problèmes qu'il y a eu. S'il y a des problèmes lors de l'ouverture, des trucs comme ça. Donc voilà, euh, on a parlé des euh, KOTH, des remboursements, des hausses, du système de hausses On a parlé de l'ouverture. Qu'est-ce qui nous reste à présenter Bon, le staff. Le staff à l'ouverture, ça va être moi comme euh, owner du serveur. Donc c'est moi qui possède le serveur, c'est moi qui gère l'argent, et trucs comme ça. LP comme administrateur, c'est lui qui s'occupe du in-game, euh, l'économie, etc. Un peu tout ça. Malfus s'occupe des recrutements du staff et du serveur, euh, le chat, etc. Xylos, modérateur, Gratiel Buldour, euh, Chimix, modérateur, Equinox, modérateur, Goreg, modérateur, audric modératrice. Et euh, pour l'instant, c'est tout. Euh, jai tout oublié quelqu'un Peut-être que mm -hmm. j'ai oublié, que j'ai oublié. Enfin, je sais ouais, pas encore exactement c'est quoi notre staff. Je sais qu'il y aura Close aussi qui va faire une admin série, whatever. Euh... Euh, on va parler aussi du rank media aussi. Vas-y, vas-y. Je, euh, je te laisse bah, te parler. Euh, le rank media, ça, dans le fond, c'est... Euh... Quelqu'un qui est un peu partenaire, comme si on peut dire ainsi, c'est qu'il y a beaucoup d'abonnés et qu'il y a une assez haute influence dans cette communauté Minecraftine. Puis dans le fond, c'est un peu différent des youtubeurs, donc lui il aura tous les avantages puis il aura aussi accès au slash mode. Donc si jamais il veut faire un, un peu pour promouvoir sa, le serveur, faire un admin série ou quelque chose du genre, bah il sera possible pour lui. C'est pour ça que je vous ai fait euh, le slash mode. Mais en gros, vous voyez, là j'ai fait slash mode. J'ai refait slash mode. Regardez, ça me remet où j'étais avant. Donc il n'y aura pas d'avantage. Il ne pourra pas se give ou quoi que ce soit. Il va rester en survie. Il va juste pouvoir voir les informations du joueur. Donc moi, c'était tout dé tantôt que je regardais. Euh, puis regarde, je peux voir le nombre de minerais qu'il a miné, etc. Bon, je l'ai déjà présenté, on peut aussi voir euh, le nombre de reports, si je clique sur LP, je peux voir ici qu'il n'y a aucun report, je peux voir le nombre de temps de jeu, donc une heure de temps de jeu, euh, les minerais qu'il a cassé, etc. Et je peux le freeze, non-freeze, etc. Donc, j'aimerais que tu me freezes pour que je puisse montrer le message, qu'est-ce que ça fait. Euh, toi? Ça sert à rien. Hein? Ouais, il oh, je me freeze. Okay. Donc voilà quand je bouge. Euh, vous avez été suspecté de cheat. Rendez-vous sur notre team serveur vocal dès maintenant. Donc le test n'est pas encore actif. Il devrait être actif dans les prochains jours. Donc alors que vous voyez cette vidéo-là, je dirais une à deux jours après, il devrait être actif. Donc n'oubliez euh, pas que si vous vous déconnectez, vous allez être banné 60 jours. Sur. Si vous êtes en train de en freeze, vous vous déconnectez, ça vous banne automatiquement 60 jours. Aucune façon de se faire des bandes T'es free, t'es poum, bam, bam, bon, fini. Euh, t'es été suspecté, t'as déco. C'est plus notre problème. T'as des coups, tu peux avoir enlevé ton cheat ou whatever. So voilà. Je te demanderais de mettre des free, sale fils de pute d'arabe de merde. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'aime les arabes. Dédicace à Zaborzino. Donc, euh, voilà. Ensuite, la Warzone, ben pour l'instant, regardez qu'est-ce qu'on a fait. En fait, on a juste aplati tout ça. Euh, là, on sait pas, on va faire des routes, on va faire plein de trucs. Euh, comme je vous dis je sais pas encore trop ce qu'est-ce qu'on va faire, mais on a tout fait la Warzone. Elle est énorme, les amis. Vous voyez, c'est énorme qu'est-ce qu'on a fait. Euh, on voulait vraiment faire un truc grand, oh pis comme ouais, vous on vous a dit. À 2000%. Ouais est, En fait, on, on sait pas si vous voulez des AP. Si vous voulez pas d'AP, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va faire la Warzone hyper, hyper loin. Et puis il euh, y aura pas d'AP. Ou sinon, ben, regardez comme là, vous allez juste avoir l'anti-back. Donc, comme normal, quoi, vous allez pouvoir back dans le spawn de tous les côtés, pas juste en avant de tous les côtés. Euh, puis après, vous allez devoir marcher tout le tour jusqu'à l'entrée qui est et ici. il faut être conscient aussi que si on met des AP, il y aura pas de Pell ball dans la ouais. Warzone. Donc c'est si jamais... Est plus facile de rentrer au spawn que de rentrer dans un AP qui est X pas loin. Mais bon. On les perles pas. sont désactivées dans la, dans la Warzone ou pas euh, Ça c'est une bonne question. On sait pas trop si pas. on les active ou pas les perles dans la Warzone. Soit on les active ouais. avec un cooldown de 16 secondes ou soit qu'on les active pas du tout. Donc ça c'est quelque ça, chose que vous devez nous dire. Ou... Ouais c'est ça, ça dépend. Donc les trois trucs que vous devez nous dire les amis, AP oui ou non. S'il y a des AP, est-ce qu'on met des perles oui ou non Ou euh, si euh, pour... Euh... C'est quoi l'autre truc C'est quoi les autres trucs qu'on devait leur demander Ah oh, oui, l'obsidienne oh. pétable, combien de coups le petit diable pétable, combien de coups? Et aussi euh, pour. Euh, euh, c'était pour quoi d'autre l'autre truc? L'autre gars, son micro m'énervait. Aussi, l'autre truc, c'était pour. Je me souviens plus de quoi. Ah merde, j'ai oublié, mais bon, voilà. Euh, C'est pas mal tout, les amis. J'espère que la vidéo vous a fait euh, plaisir. Donc, euh, LP, dernier truc que tu veux dire, peut-être pour. Euh, avant qu'on termine la vidéo. Euh, moi, j'ai hâte que le serveur hein. Moi aussi. On va aller s'amuser tous ensemble. Euh, peut le cas tournoi. Euh, ah oui, euh... le code tournoi. Donc, il y en aura deux par jour, les amis. Et puis, euh, ça va être le, le host qui va choisir, dans le fond, le... Le kit. Le, le kit. Euh, les heures sont pas encore déterminées. Il va être déterminé dans le slash event. Le il pas comme la commande. La commande n'existe pas encore. Mais il va être déterminé dans le, euh, le cas event. Aussi, l'IP du serveur, vous pouvez déjà l'ajouter euh, dans votre truc Minecraft. Ça va être... Euh, ça va être ça ici, uh, mc.ifactions.ca. L'IP est pas encore link, hein, les amis. C'est une IP avec des chiffres pour l'instant. Il y aura 300 slots sur le serveur. Um, 250 plus 50 réservés pour les MVP, donc ce qui est les vampires qui étaient avant. Sauf, faut pas oublier ça. Uh, C'est un farm to win, HF, bientôt disponible. Le serveur est off en ce moment. Donc si vous ajoutez uh, l'IP, vous allez pouvoir voir ça jusqu'à temps que ça soit l'ouverture. Donc voilà, iFactions Network, Minecraft serveur Bon, voilà, vous avez compris le principe de ce que je vous disais. Vous joignez le serveur, il y a pas de. C'est full premium, nos crack, 1.7, 1.8, 1.9, accessible avec le serveur. 1.9 je suis pas sûr et 1.10 non plus mais j'suis... normalement ça devrait être bon euh, faut juste tester on n'a pas testé parce qu'aucun de nous joue, 1 joue 1 <laughs> pis en 1.9 puis en 1.10 donc euh, on a pas testé mais je sais qu'en 1.7 et en 1.8 ça fonctionne donc voilà euh, c'est pas mal tout pour le serveur les amis j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu nous dire vos commentaires vos avis sur le serveur et la partager avec vos amis si vous avez entre au 20 à 17 h pour rejoindre le serveur les gars, partagez sur Twitter, envoyez-moi euh, des messages sur Twitter, mettez le hashtag ifactionsv 3 ou juste iFactions euh, sur Twitter, sur des commentaires YouTube. Allez sur les commentaires, les chaînes YouTube de vos youtubeurs préférés. Et spammez leur iFactions, hashtag iFactions, viens faire un tour ou whatever. Et puis ben, j'espère que vos, vos youtubeurs favoris vont venir sur le serveur. Parce que bien entendu, non, on va pas payer aucun Youtuber, parce que euh, je suis trop rabin pour ça. Donc bref, <laughs> sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. C'est Iconz et passez une excellente... Fin de journée